Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour une vidéo de Forge Magie et on va commencer avec une petite tentapéo sur un Poulpagne. La dernière fois que j'ai fait ça, que j'ai voulu commencer la vidéo par une belle tenta exo, bah c'est passé en une rune, c'était sur l'arc corrompu. Alors espérons qu'on aura la même chance ici. Alors le Poulpagne, il est moins 4 vita, moins 2 chance et over 3% neutre. Donc si on passe un PO là-dessus, ça nous fait un petit 3% PO et ce sera plutôt sympa. Est-ce que je signe? Allez hop, ça coûte pas grand-chose. Allez, on y croit. Dommage. Bon, bah une fois de plus, on se retrouve pour quelque chose de très osé. On a ici un magnifique casque Dragueuf 252 Vita. Et comme on est des fous et qu'on aime la belle forge magie, on va tenter un PM dessus, les amis. Là, si ça passe, on a clairement un truc qui vaut, mais je sais même pas le prix, ça se compte en centaines de millions. Bon, j'y crois pas vraiment, mais la dernière fois que j'ai dit ça, c'est passé, donc bon. Allez, zou! Oh, dommage. Petite déception au fond. Bon, en tout cas, c'était courageux de le tenter. Rien à dire. Sur ce genre d'item, déjà, choper un 250 de Vita, c'est pas quelque chose d'évident, mais alors avec un PM, ça aurait été une tuerie. Tant pis! On retourne sur du brisage PA Stalak en compagnie de mon pote Edouard, alias Gulou. Et bah, je vous Exactement. retrouve. Voilà. Et je vous retrouve dès que le PA est passé. Le petit PA qui est passé en une trentaine de runes, bah c'est parti, on a un jet qui est plutôt sympa au niveau des récris. Je pense que je vais balancer là les grosses runes directement, je vais essayer de faire tomber le PA. Allez, c'est parti. Ah bah. Parfait. 85. Ouais, j'ai eu un petit coup de chance. Alors je vais commencer par un overpuissance. Et puis après, voilà, c'est parti, je vais chercher le perf là. Hein. 2, 3. Oh là là. Je sens que ça va bien se passer, ça commence très bien. Moins 18 ici. Et j'ai 4 d'over. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une rune tacle. Je voudrais pas avoir une rune fuite parce que je vais la passer en pas fuite. Donc on va chercher la rune tac. Hop. Voilà, bon ça passe pas, c'est dommage, ça aurait pu me faire gagner un peu de puits. Mais en tout cas, comme ça j'ai pas de perte. Je vais mettre les deux perdis à tous les coups, va falloir que j'aille en racheter. Nickel. Moins 15, ok, on a eu un crit. Enfin, je déteste interrompre mes FM. Dos perdis, il me faut. Alors, on me propose des sabominables. Sandales minables déjà. Loupé. C'est des sabominables. Et à tous les coups, ça va pas être du perf. Enfin, je connais très bien ce genre de messages qu'on m'envoie 42 30 fois sur par 40, minute. ça y est. Ouais, voilà. 36 sagesse, t'es perf, t'inquiète. C'est bon. On va en prendre 30 et comme ça. Hop. Est-ce qu'on le voit venir? 34 sagesse! Non, je t'ai épié, merde, je le Oh, ça m'insupporte les gens qui m'envoient des trucs comme ça me fait perdre du temps. Bon, je vais pas répondre. Hop, on va régler le problème. Hop, voilà. Ah non, mais gros, je fais du social toute la journée, au bout d'un moment, c'est fatigant. Allez, moins 30. Ah, je le sens pas trop là, 22 restants. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu me fais stresser avec... Non, non, là, on est bon, là. Tu veux que je recompte devant toi? Attends, Les là, il y a deux dits, 10. on a mis 3, moins 45. J'ai eu un crit, là. Regarde. Oui, mais juste avant, Là, j'ai fait tomber. J'ai 85 sur le PA qui tombe. Ensuite, là, j'ai 1, 2, 3 runes papuy, moins 18. Ensuite, là, je perds rien. Et là, j'ai 45. Moins 45. Passe 22. Moins 12 de la papuy. Ah, t'avais déjà mis le moins 15 Ah avant. oui. Ok. Ah, oui. Reste 10. Bon, je vais tenter la pare-feu, si ça passe pas, je suis saoulé. Hein. Enfin, pardon, là juste la réperfeu. Allez hop! Non. Il me reste 4 là. Tente un PA. Est-ce que un PA là-dessus ça fait plaisir? Moi je dis que oui. Hein. Allez. Bah ça se tentait. Hein. Bon bah j'ai pas repassé de PA sur la première série de 100 runes, donc on est reparti pour 100 à nouveau et on se retrouve dès que c'est passé. Bon. Bah on a pas eu de PA là sur les 100 tentas, donc je vais encore défoncer mes camas, j'ai plus beaucoup de trucs à investir dedans, donc j'espère qu'on aura quand même encore un PA à briser. Bon bah après plus de 150 tentas, j'ai à nouveau un PA et je suis deck depuis tout à l'heure, je vois des magnifiques jets en presque perf 15% qui me passent sous le nez, et là j'ai un truc un peu crados. Bon bah on va devoir faire avec, mais... Je suis un petit peu pessimiste sur ce que ça va donner. Allez! C'est parti. Bon, j'ai 12 plus 4, moins 15 déjà. Hop, 1 de puits. Je vais continuer à y aller sur les dommages distance. Là, j'ai 12 plus 4, moins 15 à nouveau.
déjà chié. Pourquoi ça me met 1? Ah bah j'ai pas fait le plus. Voilà. Ça, j'ai 2 de puits. 2 de puits. On va tenter les grosses runes. Hein. Oh putain. Plus 88. J'ai 90 de puits. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je mette une pafuie et après je vais y aller à la pafuie pour remonter à 30 de puissance. Ok, moins 12. Moins 12. Et... Ah putain, puis il va me falloir un over-écrit aussi. Bon, ça va le faire. Hop, nickel, moins 6. J'y crois franchement à moitié, mais ça peut le faire. Là, il faut que je passe à 36 récrits. Aïe. Moins 30. Moins 30, on va balancer une petite petite rune réo pour enlever l'over. Voilà. Ensuite, la puissance. Oh, ok, ça passe. C'est pas trop mal. Si j'ai un crit là-dessus. Si en tout cas ça passe, j'ai 2 tentats derrière. Ok. J'ai 2 tentats repères. Il faudrait vraiment que j'en ai au moins une qui passe. Yes. Bon, j'aurais vraiment aimé avoir un moins à 2%. Je croyais un peu aux 3% au fond de moi, mais là je me rends compte qu'il va falloir que je pète encore un paquet de PA. Un commentaire à faire, toi? Continue. Ok. Continue à briser tes kamas. Ouais, mais c'est plus mes kamas que je brise que des PA là, c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, c'est le 5ème PA que je brise sur ce bouclier quand même. Et bah, j'ai un truc qui est pas foufou. Hein. Alors, on sait tous comment ça va se finir. Là, sur la vidéo, là, je vais arrêter pour ce bouclier. Tente le PM. Mais je vais tenter un PM là-dessus, mec. Obligé. Obligé. Avec ce qui s'est passé sur le corrompu. C'est pas opti. Chut. Voilà, bon, on brise ton PA sur, sur Bruce. Ouais, allez, on se retrouve pour un brisage PA sur un de ses boucliers. A tout de suite. On enchaîne donc avec un brisage PA sur son bouclier de Bruce. Enfin, son écorce de Bruce, qu'il avait depuis un bon moment d'ailleurs. Ouais. J'ai passé en orbe. En orbe, ouais. Orbe, PA, avec un G correct hein, quand même. Hein. Bon, il manque. Putain, il va me falloir que je vais aller faire quelques runes avant qu'on commence. Il nous faut de la paré-pa et je vais me faire un peu plus de paré-fixe. Écorce de brousse, c'est quand même un bouclier qui est extrêmement puissant, qui est relativement peu joué. Et moi, pendant longtemps, j'ai eu ça sur mes 3% au colis, hein, clairement. Les 25 esquives PA, qui ratent 14% res mêlée, et malus d'armes, qui est finalement le malus le moins handicapant des malus qu'on peut avoir. Parce qu'on peut très facilement jouer sans utiliser son cac selon certains modes. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Hop, paré pas, je vais en faire 50. Non mais t'inquiète, je vais le faire. Pas besoin de dépenser des thunes. Ça a déjà assez con été gaspillé aujourd'hui, c'est tout ce que je veux dire. Hop. Et paré haut. Ah bah je peux en faire, faire 30. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Face au magé. Let's go. Allez, en espérant que ça se passe bien. Alors là, ça va être délicat. Hein. Essaye de parler un peu fort quand même, qu'on t'entende dans le micro. Ouais. Ce sera pas forcément évident. Je vais y aller sur de la répa, si je passe à 19, après comme ça on est congru à 25. Allez. Ah. Ça commence bien, 1 depuis. Nickel. Moins 1, moi je voudrais vraiment le 19 esquive PA. C'est pas le mien, donc quelque part, là je suis plus serein que tout à l'heure. Hein. Bah voilà, je savais que ça allait passer. Moi je vais spam les pas et pas. Hein. Ouais. Ou alors je les laisse à 19 pour être sûr de pas être embêté pour aller à 25. T'en penses? Mais si je fais ça, j'ai des moins grosses runes pour faire tomber. Parce que si je balance de la pas et pas, mec, c'est du 21 de puits si ça casse pas le PA. C'est toi qui choisis, c'est ton bouclier. Je pense que dans mes deux, le PA devrait tomber, donc après tu peux... Tente les deux par ouais, par pas. Ouais, je pense. Bon, il bah, n'y a plus rien sur l'item, mais c'est pas grave. On est donc sur du 100, moins 21. 80 de puits. On commence par les par pas ou remêler. On va faire un truc avec ça. Hein. Ouais. Mais faut y croire, mec. Vas-y. Regarde, j'ai eu 1% avant, j'avais un jeu de merde au début. Fou de paré pas. Pour peu qu'on ait un crit, ok. Bon, moins 42 de puits, ça va, 42, c'est pas la moitié du puits. Il nous reste largement de puits. Allez, moins 15. Oh, ça va, il reste 23 de puits. On l'a très large. En plus, ça, c'est pas du tout un jet qu'on peut avoir sans brisage PA, du coup. Du coup, t'es content, non? Ouais, non, mais en vrai, avec un peu de chance, on peut monter les ré. Complètement, hein. Un reliquat, j'en veux pas.
Ouais, moi non plus. Attends, on va te monter ça aussi. Hop. Allez, là on est déjà sur du moins 14. Bon, il reste 9. C'est nickel, non? C'est Bon. nickel. Ré O ou Réter? Au choix, là tu peux pas avoir les deux. Vas-y, Tu peux pas avoir les deux. bat. Allez, boum, moins 6, il reste Merde. 3. On tente un crit là-dessus? Ouais, vas-y. Oh, dommage. Dommage, on a un petit moins 2. Super compliqué. T'en as déjà vu des écorces de grosse perme? Perf? Perf, non, jamais. Vas-y, vas-y. Ou enfin, perf, c'est les mecs qui te disent perf et ils te Oui, disent non, mais qu'un oui. 15 réfixe, tu C'est vois. C'est ça. les perfs low cost, quoi. Allez. Vas-y. Bon, faut dire que je suis très chanceux aussi en FM. Ouais, lui, c'est le plus gros mollo du monde, il te fait 15 exos à la journée. Pourquoi ça m'a pas fait ça sur mon stalag tout à l'heure, hein, j'ai perf? Bah justement, Qu'est-ce que t'en parce que penses? comme t'as pas passé de PA En avant, gros. t'avais beaucoup plus de probabilités d'en passer un mal. Non, je rigole, hein. Vas-y, débranche mon casque, t'as raison. Merde. Fais gaffe que ça pète pas la connexion. C'est bon. Ok, on fait quoi? On le laisse ou on le pète? Bon. Moi je dis, on a qu'une vie, Bah hein. vas-y, hein. Vas-y, c'est parti. Et Bah il me là. restait un de plus en plus. C'est parti. Là, on a plus 1. Mec. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Moins 2. Ouais, bah là, de toute façon, on va aller au bout. Hein. Enfin, je vais le. De toute façon, on était parti pour faire un brisage PA, on est en Ouais, deuxième, à on la repart limite. pour un deuxième T'as brisage PA, quand hein. même une chatte, toi, mais Ouais, ça. ouais, ouais. Toi, tu défies les statistiques, toi. Attends, j'appelle ma copine. Moins 6, hop. Bon, C'est allez, pas un... Ouais, on c'est... va là-dessus, hein, clairement. Oh là 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 là. Tout va se jouer sur Ouais. l'esquive PA, Faut qu'elle concrètement. passe. C'est là en Plus plus. 85. Sinon... Je la tryhard, hein. Qu'est-ce qu'on Y fait? a pas le choix, mec, hein. Sinon, on va Parce avoir que... du 24. On va avoir un 4% sur 24. Ouais, mais Moi, je dis, il bon... faut le passer. À 24, c'est ça peut le faire. Comment ça... Avec Ouais... la chatte que t'as, ça va Avec un passer peu en de crit force. direct. Bon bah voilà. Un commentaire à faire? Bah repasse un P1. Bon allez, on repasse un PA, on a que ça à faire de toute façon. Putain. À tout le coup, ça va repasser, mec. Je te connais, ça va repasser. Bon, faut pas forcer. C'était sympa là, Ouais. les petits échecs. En vrai, pas de regret parce que sur 25, 24 esquive PA, sinon c'était triste Tu d'avoir un G penses? comme ça. Ici. Ici, sinon ça aurait été crade. Parce qu'on aurait pu Hop. avoir pas mal de tentes à repère quand même. Ouais bon, c'est On pas aurait grave. pu, mais Tout ça, on sera, en aurait c'est fait fait, quoi, mec? c'est fait, c'est fait. Après, tu veux le jouer, tu regardes, tu dis, ah, j'ai 24-25, c'est Ouais, moche, mais tu vois. bon, T'es saoulé. 25, ça quand Esquive PA, gros, un esquive PA, Non, ça je suis peut. d'accord. Ça change une game, hein. Ça change un colis, hein. On le sait. Bon, bah tant pis, moi je vais partir faire des petites tentes à PO sur ma cape matelassée, je pense. Donc ici, puits PA sur ma cape matelassée, on est sur du 98 depuis. Le G est plutôt correct dans l'ensemble. La vie. Je vais aller chercher le perf. Alors normalement avec des runes pod. Alors merci aux abonnés qui m'ont appris ça, je ne le savais pas. Avec des runes pod qui pèsent 2,5, on a du moins 13 vitas, ce qui veut dire qu'on peut systématiquement aller chercher le 1, enfin le G perf à 1 près. Donc là, je peux aller chercher normalement le 250. On va voir ça. Non, on va pas voir. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 24. Et Oh, si je me suis pas chié, je fais ça et j'arrive à 250. Allez hop! Magnifique. Bon, on a un demi de puits en plus, on s'en cogne un petit peu. Et après, c'est parti. Voilà, c'est beau d'avoir du perf comme ça. Moi, je préfère moins 9 ici, même si on défonce le puits. Mais, de toute façon, comme le PO ne va pas passer à la fin, on s'en fout. Techniquement. Moins 10. Hop, la fuite. Picrit. Aïe. 24. 30. Allez. Moins 10. Ah bah il me reste 15, je vais pas aller loin avec ça. Bon, cela dit, le G est bien soigné. C'est parti pour eux. Je vais pas faire comme ça, j'ai dit qu'il valait mieux que je mette ici Xeria à l'unité. On guette bien sûr les crits, j'ai un crit là pour l'instant. Ouais, ça va en vrai. Bah après là, on est sur du moins 7, ça va quoi. J'en ai donc encore une. Ok, moins 1. Et si le PA passe, bah ça part en PO.
Ok. T'as mis ta rune de signature? Elle est déjà signée, t'inquiète. Vas-y. Allez. Bah non, mais comme c'est passé pour moi juste avant, ça Ouais, passera pas en pour vrai, lui. bah non, C'est... faut équilibrer le truc. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir un exo, tu vois, tranquille. Tant pis. Ce jeu, il n'aime pas, je crois. Hein. Prochaine fois, c'est toi qui passeras les runes, parce que toi, avec ta Allez. chatte de fou, là. On enchaîne avec du brisage PA sur une cape du crânonnier, qui est une super cape qui vient de sortir, enfin, qui vient de sortir, qui est du dernier patch des nouvelles zones qu'il y a à Frigost. Et qui est très intéressante, que j'aimerais bien essayer sur pas mal de modes. Mais au niveau du FM, c'est quelque chose de monstrueux. Enfin, il y a beaucoup de grosses lignes. Il y a 15 esquives PA, double ligne de res à 10%, 20 dos, ce genre de choses, 35 répoux. Et il n'y a pas de puits, donc il faut vraiment faire un brisage PA. Là, j'avais fait un truc très approximatif pour tester 2-3 combats, mais franchement, c'est un peu dégueu. Donc, on va essayer de faire ça proprement avec du brisage PA. Et là, je me suis arrangé avec l'autre zigoto à côté. J'ai récupéré quelques petites runes PA, un petit peu de Kama. Et donc, j'ai repris des orbes et on va rebriser je ne sais pas combien de PA là-dessus. En espérant qu'il y ait besoin de briser moins de PA que les 5 que j'ai pété sur le Stalag pour avoir un vieux G 1%. Allez, on y croit. Je vous retrouve dès qu'il y a un PA qui est passé. Bon, moi, j'ai pas passé de PA sur la cape sur la série précédente. Là, j'ai repris 80 orbes. Bon, j'ai encore pas mal de runes PA en stock. Et puis au niveau des Kamas, bah, j'ai plus rien, j'ai tout claqué, donc j'espère qu'on aura quand même un PA à briser là-dessus. Je vous retrouve s'il y en a un qui passe. Bon, bah après 180 runes tentées sur cette cape, aucun PA. Je sens que déjà quand j'en ai rien, ça va être horrible à briser, donc celle-là elle va me faire chier pendant longtemps, je vais me défoncer beaucoup de thunes dessus, c'est sûr. Mais bah tant pis, hein, je vais persévérer, puis jusqu'à avoir un truc correct, tant pis. Je pense que je vais juste vous faire un petit brisage, enfin pas un brisage, hein, une tenta exo-PO encore sur la cape matelassée, puis ce sera la fin de cette vidéo de FM. Bon bah là on a un abonné qui m'a demandé de lui repasser PA et PO sur deux amulettes d'Ilisael, donc on va le faire en vidéo, ça peut être sympa. Les jets sont plutôt soignés, hein, franchement c'est pas mal. Voilà, il va falloir double succès, alors je vais commencer par le PA, comme ça si des fois ça passe pas. J'ai l'impression qu'il est fait en double puits, hein, comme j'ai montré dans ma vidéo sur les pathogastriques, ce qui est une très bonne manière de faire hein, quand on cherche le gros jet. Donc c'est parti, PA et ensuite on tentera le PO. Alors pas, ça ne marche pas là-dessus. Et sur celle-ci. Dommage. Dommage, dommage. Bon, voilà, on a le PA qui vient de tomber, on a une petite tenta, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va tester. Je vais tenter d'aller chercher le 250 à nouveau. Hop, moins 3. Moins 23. Et avec la petite rune pote des familles, on descend. Ah, 250, c'est pas beau ça. Puis elle passe en plus, cette conne. C'est 2,5 depuis, on a dit, hein. Bon, il faut que... que je me loupe là-dessus. Je vais remonter la J, ensuite il faudra partir en basse à crit. Je vais mettre la chance comme ça, je pense. Hop. Donc là, j'ai moins 1,5 depuis normalement. Si je compte avec les décimales, là j'ai donc moins 13 pour être sûr de pas me louper. Le 13 me donne 2,6 depuis. Qu'est-ce que j'ai fait encore moi? J'ai pas fait le égal. 93, j'ai eu moins 23. Ça me fait donc 70. Ok. Donc là, j'ai moins 2,5 plus 2,6. Ça me fait 70,1. Et après, j'ai moins 3 plus 2,5. Ça me fait. Ok, ça me fait 1,6. Ça me sert à rien. C'est pas grave. Au moins, j'aurais compté. Hop! Ça dégage le petit over. Ensuite, je vais m'occuper de ce que je dois remonter là au niveau des raises. Moins 12. La fuite. Ensuite, on fera les dommages. Moins 4. Moins 15 ici. Dommage. Ensuite, petit moins 3 par là. Ça me laisse 35. Ah, on a un crit. Tout cool. Tout cool, donc j'ai 35 à mettre dans les récris. Hop. C'est parti. Un succès crit pour l'instant. Ok, j'ai donc 24 divisé par 2, il me reste 12. Et là, là, je peux faire un fusionner tout. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ok, on a un crit. On a un crit. Ok, j'ai une 4 écrit.
Avec un petit PA là-dessus, ce serait cool, hein. Dommage. On est parti pour ce qui est la dernière tentative de la vidéo, et après je pars en colis avec mon pote. Donc, bah voilà, on va tester, on a 99 depuis. Je vais y aller sur... peut-être une ravie. Ça devrait mieux passer, je pense. Ok, super pronostic. Moins 50, bah c'est ruiné, tout simplement. Ah merde, non, je suis con, c'est pas une rack, il fallait que je mette, c'était des pas, je me fais chier. C'était complètement débile de faire ça. Bon, c'est pas grave, j'arrive sur mon 250, mais ça valait pas vraiment la peine de se défoncer autant de puits. Bon, moins 5, c'est complètement ruiné. Moins 10 ici. Je vais avoir un mini over écrit, et c'est là-dessus que le PO va passer à 100%. Sûr, c'est classique. Hop, moins 12. Il me reste 22 de puits, génial. Allez, petite overchance. Moins 6. 16 de puits restants. Hop. Et retrait PA, heureusement que tu me le dis. Hop, easy. 16. Allez, c'est parti. Un succès crit. Est-ce que j'arrive au moins 1? Ok. J'ai donc encore une tenta. Ok. PA. Bon bah dommage. C'est donc la fin de cette vidéo de FM. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt.